Waouh, qui aurait dit que les livres étaient si intéressants? Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh, une télécommande? Mais à quoi sert-elle? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Waouh, tu as vu ça? J'ai une idée. Incroyable! C'est génial! Fais-le-moi! Je veux être immense! Bien sûr! Qu'est-ce qu'on risque? Ah! Oh! Je suis géante! Et tu as crevé le plafond! C'est tellement excitant! Je me demande sur quoi on va tomber! Oui! La grande assiette! C'est parti! Oh! Des frites au chocolat! Quoi? Oh! Waouh! Elles sentent trop bon! Quelle arnaque! J'ai eu la taille normale! Je veux parler à un responsable! Allô? Il se passe quelque chose? Là, c'est du sérieux! Waouh! Elles sont énormes! J'ai hâte de les goûter! Admets-le, tu es jalouse! Les petites frites me plaisent bien! Je me demande... Passons à un éclairage d'ambiance! C'est mieux comme ça! C'est la fête! Sarah, ça va? Oh oui! Pas encore ça! Hé, Sarah! On n'est pas en boîte de nuit! Oh! Oups! Bon, goûtons-les! Oh waouh! Délicieux! Attends, j'ai les miens! Je suis au paradis du chocolat! Je pourrais en manger toute la journée! Oh! J'ai une idée! Attends un peu! Prends ton temps! Waouh! Non! Reste loin! Attends un peu! C'était trop drôle! Regarde, je veux sucer ton sang! Le chocolat! Bon, c'est quoi la suite? Moi et mon amie minuscule! Où elle est passée? C'est vraiment pas professionnel! Eh oh! Où es-tu? Elle est partie! Attendez, je sais! Te voilà! J'avais oublié que je t'avais mise là! C'est pas très sympa! Continuons le défi! Je me demande ce que ça va être! Waouh! Ça fait beaucoup de patates! C'est tout ce que tu as? Une seule patate? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Ne vous en faites pas, on va vous expliquer! On veut que vous fassiez des frites! De bonnes frites bien croustillantes! Hé! Et moi alors? Je peux jamais me faire plaisir! C'est toujours la même chose! Et pas de mouvement brusque, d'accord? Ça te va comme ça? Non, j'ai toujours pas de frites! Moi aussi, j'ai faim! Regarde, elles se disputent! Ça me donne une idée! Ça va être bon! D'abord, je vais peler les patates. J'enlève toute la peau, puis je découpe des frites. Je les mets dans cette petite poêle et j'ajoute de l'huile. Ça va aider à la cuisson. J'en mets juste assez pour les recouvrir. Maintenant, il est temps de les faire cuire. Je vais les placer sur cette mini cuisinière. Je vais allumer le feu. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Waouh, je suis impressionnée! Comment je peux rivaliser avec ça? Hé, c'est moi qui les ai achetées! C'est toujours pareil, tu en fais des tonnes! Une seconde, j'ai une idée! Il faut juste que j'attrape un truc! J'adore cette odeur! Ça ne devrait plus être très long! Ça y est, la poêle doit être chaude! Elles sont belles! Arrête un peu! C'est pas si grave! Qu'est-ce que tu sous-entends que je suis petite? Il ne faut pas qu'elles me voient! Heureusement, elles sont trop occupées à se chamailler. C'est le crime parfait. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Waouh, il faut vraiment qu'elles règlent leurs différends. En tout cas, j'ai ce que je voulais. Attends une seconde. Regarde ça, j'ai des frites gigantesques. Tu te crois si maligne, il manque quelque chose. Du chocolat, par exemple. C'est tellement bon. Je vais les tremper dans la pâte à tartiner. Waouh, elles sont superbes. Je vais aussi tremper les autres. C'est plutôt malin! Moi aussi, je peux le faire! T'es pas la seule à avoir de la pâte à tartiner! Je vais avoir besoin d'un pinceau, par contre. Il va me falloir beaucoup de chocolat pour recouvrir toutes ces frites. C'est parti! Ça risque de prendre un peu de temps. Vous savez quoi? Ça détend vachement! Je vais les recouvrir entièrement. Ça me donne faim! Je m'en fiche. Je suis contente de ce que j'ai fait. Je vais les goûter, tiens. Miam, elles sont bonnes! J'ai terminé! Ohé, par ici! Bien sûr que non, je ne te prends pas de haut! Encore une réflexion sur la taille? Hé,
Les filles, je crois qu'on devrait les laisser. T'as peut-être raison, ça fait plus de frites pour nous. Je suis désolée, je ne le referai pas. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ah, ça va mieux. Oh oh, c'est mine de rien. Oups. Ça va être trop bien. J'ai hâte de découvrir notre nouveau défi. Oh, apparemment, j'ai eu une drôle de sucette WC. Pas mal, mais c'est un peu rikiki. Goûte-la. C'est parti. Je prends la sucette. Je dois bien avouer qu'elle a l'air bonne. Miam, c'est bon, c'est fruité. Maintenant, je vais la tremper dans la poudre. Je veux qu'elle soit entièrement recouverte. Ça a l'air pas mal. C'est le moment de goûter. Waouh, c'est génial. Ça pique et ça a un goût de fraise. À ton tour. Moi? Bon, très bien. Voyons ce que j'ai eu. Waouh, c'est pas vrai. C'est un WC grandeur nature. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, il est rempli à ras-bord de toutes sortes de sucreries. Des oursons et des biscuits au chocolat à gogo. C'est tellement bon. Oh, moi aussi je veux tout plein de bonbons. Je suis vraiment fan de ce défi. Bon, au moins j'ai ma sucette et elle est délicieuse. Ça craint que j'en ai pas une comme la tienne. Oh, je sais quoi faire. Je vais utiliser ce gobelet. Pardon la plante, il est temps que tu sortes. Oh, il y a un vieux reste de pop-corn là-dedans. Très bien, maintenant je vais y verser un peu de jus. Oh, regarde, il a gelé. Je vais le sortir de là. Incroyable, elle est énorme. Je vais la goûter. Oh mon Dieu, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, je vais la tremper dans quelque chose de délicieux, tout comme ta sucette. Je n'ai pas de poudre parfumée, mais j'ai des bonbons. Ta-da! Ça a marché! Oh, c'est vachement mieux que ce que j'ai eu. Ça va être délicieux, j'en suis certaine. Oh, je viens d'avoir un ourson. Trop bon! Ah, ça, c'est un goûter digne de ce nom. C'est moi qui te le dis. Oh, et il me reste plein de bonbons. Ne fais pas attention à moi. Oh mon Dieu, c'est trop bon. Je pourrais en manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Burke, franchement, cette allure, ça ne te va vraiment pas. Oh mon Dieu, Lexi, où est-ce que tu vas? Oh, et... Ah! Wouh! C'est trop drôle! Waouh, où est-ce que je suis? On dirait un océan de bonbons. Waouh, cet endroit est incroyable. Je suis ravie d'être ici. Lexi, est-ce que tu vas revenir un jour? Tu me manques. Prête pour la prochaine manche? Celle-ci. Non! Haha! À mon tour maintenant. Grand! Je vais gagner! Je vais gagner! Je déteste ce jeu! Waouh! À toi! Bon, c'est terriblement décevant. Je parie que mon plat va être plus intéressant. Ta-da! Hein? Où est ma grosse surprise? Est-ce que c'est une genre de blague cruelle? Mon petit bonbon ne fait pas aussi pâle figure, finalement. Doux et sucré! Tout ça pour se moquer de moi? Qu'est-ce que je suis censée manger? Notre jour de chance! Attends! C'était ça ma grosse surprise? J'en veux une énorme poignée alors! C'est ma manche préférée jusqu'à présent! Genre de défi penses-tu que ce sera? Waouh! Regarde ça! J'ai un café glacé géant! Quoi? Je ferais mieux de m'y mettre! C'est pas juste! J'adore le café glacé! Tout ce que j'ai, c'est un seul petit grain de café! Je ne sais même pas quoi en faire! C'est vraiment délicieux! Ok, je crois que je sais ce que je peux faire. Avant tout, je dois l'écraser. Parfait. Heureusement que j'ai autant de force dans le poignet.
Il me reste encore beaucoup à boire. Maintenant, il faut ajouter la bonne quantité d'eau. J'arrive presque au fond. Ça y est, et ça sent délicieusement bon. Oh, c'est une gorgée parfaite. Je n'arrive pas à croire que j'ai tout bu. Hein? Il reste quelque chose au fond de ma tasse. On dirait des morceaux de grains de café. Oh, il paraît qu'on peut lire son avenir dans le marc de café. Oh, je vois le mien. C'est mon mariage. Je vais me marier. Regardez-le. Ajoutons un petit quelque chose à son avenir. Oh, j'espère que ma femme sera belle. Oh, non. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu sais quoi? Prédire l'avenir est un peu stupide, en fait. Attends, c'était toi, hein? Bien joué. La grande assiette, s'il vous plaît. Non! Oui, je le savais. Oh! C'est un œuf énorme. Oh, mon œuf est minuscule. Je me demande quel goût il a. Peut-être qu'en utilisant une loupe? Non, il est toujours aussi petit. Toc, toc, il y a quelqu'un? Je vais l'ouvrir en deux. Ne bouge pas, il me faut mes outils. La sécurité d'abord. Et ça me va pas mal. Je suis prête. Il est temps de briser cette coquille. Ça a fonctionné? Phew! Je vais l'éplucher. Ce n'est pas si simple. Voilà, j'ai réussi! Maintenant, je goûte. C'est délicieux. Vas-y, remue le couteau dans la plaie. Je vais quand même me régaler de mon œuf. Votre coquetier, madame. Et vos couverts. Bon appétit. Merveilleux. Puis-je vous mettre dans l'ambiance, madame? Ça devrait convenir. Il y a tant de petits morceaux. C'est si délicat. Oh! C'est quoi ça? Eh, va-t'en! Oh! Une bague en or! Elle est superbe! Waouh! J'espère trouver une bague! Il y a quelque chose là-dedans! C'est un œuf en or! Waouh! Waouh! C'est extraordinaire! Tirons de nouvelles cartes! Ouais, j'ai enfin le gros! Et c'est un défi Skittles! Yes! C'est le plus grand Skittle de tous les temps et il est pour moi! Bon, pas grave, j'ai quand même des Skittles, même s'ils sont petits. Le goût est là. Oh, Skittle géant! Je t'aime tellement! Julie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? De quoi tu parles? Regarde! Oh! Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que c'est à cause du Skittle que j'ai mangé? La 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 la! Je vais lui donner un petit coup de brillant. Oups! Nos t-shirts ont changé de couleur! Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Mon visage! Il a une autre bande de couleur! Ce doit être les Skittles, c'est sûr! Julie, tu devrais peut-être arrêter de les manger. Oh! Ça n'a pas disparu! Au contraire! Et si je les mélangeais? Prête? On regarde. Yay! Encore le grand! Pizza! Julie, j'ai une pizza géante! Oh! J'ai une mini-pizza! Qui voudrait d'une mini-pizza? Personne! Bon, je vais quand même la manger. Rentre dans le four!
Quelle étrange sensation! Ah, Julie! Ça va, Claire? Je regarde ta pizza. Eh bien, je crois que je vais aller manger ma pizza ailleurs. C'est Claire et sa pizza? Elle est en train de tout engloutir! Mais comment fait-elle? Waouh! Les lumières sont revenues! Cette pizza était délicieuse! Oh! Il me reste du pepperoni! Hé! Hey, où est ma carte de défi? Elle est ici! Magie! Non! Encore le petit! Sushi! Le mien est juste normal! Ce n'est même pas un rouleau entier! Claire, ce sushi est plus gros que ta tête! Je sais! Génial, non? Eh bien, un sushi, c'est bon, quelle que soit sa taille! Dans ma bouche, petit sushi! Je suis prête avec mes baguettes! Une seconde! Comment suis-je censée… enfin, utiliser ces baguettes? Essayons la méthode à deux mains! Oh! Ça ne sert à rien! Ce sushi est trop lourd! Vous savez quoi? Pas besoin de baguettes! Hé! Hey, du wasabi! J'adore le wasabi! Un énorme sushi a besoin de beaucoup de wasabi! Oh, Claire! Tu ne devrais pas y aller doucement? Pas question! Il n'y a jamais trop de wasabi! Sushi time! Prends ça! Waouh! C'est… peut-être que je devrais jeter un œil à nos challengers. Oh, elles en sont déjà au sushi. Et si je faisais un petit changement? Julie! Est-ce que c'est un poisson entier que j'ai dans ma bouche? Elle a mis le poisson entier dans sa bouche! Oh, oh. Allez, dernier défi! Tiens-en une, Julie! Retournons-les! Dommage, j'ai de nouveau le petit! Des ours en gelée? Ils sont adorables! Les miens sont tout petits et tout mignons! Mon ours à moi est juste énorme! Regarde, il fait la taille de ma tête! En parlant de tête, c'est parti! Mangeons cette tête d'ours en gélatine! Waouh! Julie! C'est un peu violent! Chacun son truc après tout! Passons au mien! Ils sont tout petits! Mais pleins de saveurs! Et j'ai trouvé un maître! Ça me donne une idée géniale! Suis-moi! C'est un toboggan pour nounours Géronimo! Oui! Liberté! À toi! Le voici, Claire! Oh non! Claire! Attention! Pierre, papier, ciseaux. Laquelle, laquelle? Regarde! On dirait bien que t'as perdu. Oh, qu'on en finisse. Pas mal, pas mal du tout. Moi aussi, j'ai envie d'un hamburger. Ce steak est très juteux. Je peux t'aider? Arrête de me faire culpabiliser! Elle ne partage jamais! Mais regardez ce que j'ai pioché! À mon tour! J'y crois pas! On dirait une fusion de 100 hamburgers! Wouhou! Hein? Tu te moques de moi? Je t'aime! Tu ne peux pas manger ça tout seul! Regarde-moi! Supplément d'oignon? J'adore! Oh, c'est vraiment bon!
C'est si injuste! Ok, je suis complètement gavée. À moi de commencer. Voyons ce que j'ai. Oh, c'est un bol de verre en gelée. Les bonbons en gélatine, c'est ceux que je préfère. Je vais commencer par un rouge et jaune. Miam, trop bon! Je vais en reprendre un tout de suite. Et pourquoi pas un autre? Et un autre. Et celui-là. Et voilà, c'était le dernier. Délicieux! Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'y crois pas! Ils viennent de te sortir par les oreilles! Ouais, c'est trop bizarre, je sais. Mais c'est marrant. À mon tour de découvrir ce que j'ai. Oh, moi aussi j'ai eu un bol de verre en gelée. C'est bizarre. D'habitude, on a des trucs différents. Ouais, mais au moins les verres en gelée, c'est bon. T'as raison. Je vais les manger moi aussi. Dans le gosier. Ouais, ils sont pas mal. Hé, attends une seconde. Je crois que j'ai une super idée. Je prends un grand saladier en verre et je verse les verres dedans. Parfait. Et maintenant, je prends de la gélatine liquide. Je l'avais préparée avant au cas où. Et je la verse dans le saladier avec les verres en gelée. Bien, ensuite je mélange bien avec une cuillère. Voilà, puis je prends mon grand moule. Qu'est-ce que t'en dis? On dirait un verre géant, non? Tiens, Alexis, tu veux bien m'aider? Il est énorme! Waouh, il est bien creux, hein? C'est essentiel pour faire un verre en gelée géant. Bien, tiens le moule fermement pendant que je verse la gélatine. Oups, j'en ai versé à côté, mais c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Claire? On va le faire pivoter pour s'assurer que tout le moule est bien recouvert. Je vois. Et on doit faire ça combien de temps? Jusqu'à ce que ça durcisse. C'est assez amusant, finalement. Bien, je crois que c'est bon. Tiens ce côté pendant que j'attrape l'autre. Ouf! Waouh! C'est méga lourd! Ouais, je sais. Allez, ouvrons le moule. Ouh! Oh mon Dieu! Regarde toute cette gélatine! Encore un petit effort et il sera dehors. Waouh, ça a vachement bien marché! Hi, Claire, tu as fait un verre en gelée géant! Je sais! Laisse-moi me débarrasser du moule, on n'en a plus besoin. Bon, voyons ça de plus près. C'est bien de la gélatine! Regarde comme ça bouge, c'est tout gluant! Je vais essayer de le soulever en entier. Ouf, qu'est-ce que c'est lourd! Et ça bouge! Il est en train de se casser! Mais je crois que je l'ai! Je le tiens, je le tiens! Je te tiens, Claire! T'as failli tomber! Bon, goûtons-le! Ça, c'est du verre en gelée! Oups! Il en reste! Bon, tiens! Prends ce morceau, Lexi! Waouh! Ton œil a l'air énorme! C'est la dernière manche! Waouh! C'est du caviar! Je ferais bien de vérifier de plus près! Ouais! C'est bien du vrai caviar. Je vais me régaler. Et je me sens riche rien qu'en le mangeant. Je ne comprends pas ce que j'ai dans mon assiette. C'est un bateau en papier. Je ne suis quand même pas censée le manger. Ne me regarde pas comme ça, j'en sais rien. Ok. Il y a une photo d'un poisson. C'est une sorte d'énigme? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à la pêche. Je crois que c'était un indice. C'était un très beau lancer! Hé! C'est plus difficile que je ne le pensais. Réessayons. J'aurai peut-être plus de chance cette fois. Oh non! Ce n'est pas un poisson. Qu'est-ce que je vais faire avec un masque et un tuba? Allez, la troisième fois sera la bonne. Tu vas y arriver! Attrapons ce poisson! Un poisson! Un poisson! Il se défend vraiment bien! Attrape-le! Oh! Comment suis-je arrivée là? Oh! J'ai attrapé une sirène! Oh, attention! Un requin! Oh, il est venu pour la sirène! Quoi? Mais pourquoi est-il sur la terre?
Ce qui vient de se passer est vraiment bizarre. En attendant, j'ai toujours rien à manger. Je vais continuer à pêcher. Allez, poisson! Poisson, poisson! Hé, regarde! C'est un menu de restaurant de fruits de mer. Peut-être que j'ai juste à commander ce que je veux. Je vais prendre ce poisson. Regarde, ça a marché! J'ai enfin un poisson! Il est même cuit à souhait! Il est énorme en plus! Tu vas vraiment le manger comme ça? Je n'arrive pas à croire que tu aies mangé tout ça! Il était délicieux! C'était dégoûtant!